أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا أيها الأحباب الكرام مع سورة القلم، وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن وليد بن مغيرة وغيره من المشركين، وكيف كان تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر القرآن الكريم من الأسباب التي جعلتهم يجحدون رسالة الله سبحانه وتعالى. فكان الحديث في الأسبوع الماضي يعني عما كان من الأحداث ربطناها بهذه الصورة. فهذه الخصال القبيحة، صح التعبير، التي لا تكاد نجد فيها أو يركد نجد فيها فرق بين ما مضى وما نحن فيه اليوم من التكذيب والجحود الذي يوصل المرأة إلى الكراهية والعدوان والعياذ بالله. إذن الله سبحانه وتعالى قال في هذا المشرك وغيره إنه مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هذه كلها ذكرناها، مناع للخير يمنع الخير عن الناس، أضف إلى ذلك أنه معتد وأثيم، وعتل بعد ذلك زنيم فيه من الغلظة ومن الفحش ما يجعله يعتقد أنه أحسن من غيره، وذلك كله لنعمة أنعم الله به عليه. وذكر الله سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين. On a toujours avec le chapitre 68 la plume. C'est la semaine dernière avec les défauts que Dieu subhanahu wa ta'ala a cités. Surtout en parlant de la raison de la révélation qui était la cause des mécréants, et à leur tête Uqba ibn Mu'ayth ou Walid ibn Mughira et d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé que ces gens-là c'est des grands pécheurs et aussi des grands empêcheurs de bien, transgresseurs. Tous ces défauts-là amènent à un cœur encore dur et une perversité à cause de leur ignorance et à cause de la façon dont ils réagissent vis-à-vis du message de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, bien évidemment, il y a des raisons pourquoi on trouve la personne il a ce niveau-là de grandeur, de transgression, de rude. Un Canada malin ou abanin, même s'il est doté de richesses, de nombreux enfants. Le banin, Kana inda l'arabe, mina al-kouwati, ou mina al-bastal, insan al-ladi inda l'ouhamlad kathir,
وأحفاد كثير وإخوان وأعمال، هذه بالنسبة له c'est une force. Les Arabes avant, ils sont contents même d'avoir celui qui a beaucoup d'enfants, beaucoup de petits enfants, beaucoup de soutien au niveau de la fratrie autour de lui, ses oncles. Tout cela pour lui, c'est les Dalika Arabes yuhaddiruna yuhaddiru ghayruhum wa ghayruhum la tansa anna li fulan yani qabila. C'était quelque chose, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a cité ce jour-là. Et les Arabes, cette époque-là, même celui qui a 10 enfants, c'est quelqu'un qui est, ça veut dire, qui a le pouvoir total dans la famille. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, surtout à donné les autres, ces grâces. Et comment il réagit alors? Il a tout calé à être la calé à sa tour, on a parlé, quand on a récité les versets de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils disent des contes d'anciens. Al-Asatir, que l'on a dit, yani, ma yuhka min al-khawatir wal-rukdubat fil madi. Asatir al-awarin, ça veut dire ce que les gens racontaient auparavant, comme on dit. Ça, c'est les gens le racontaient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude. إذا جاء الرد من القرآن الكريم سنسمه على الخرطوم، والرد جاء بقدر التهكم الذي تهكم هذا المشرك وغيره. جاء الرد les mécréants sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout les seigneurs de Quraysh sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le traité de tel et à ce suite, et traité les versets de Dieu subhanahu wa ta'ala comme des racontes anciens et à ce suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre. Et il va répondre, et la réponse il sera au même style que leur réaction. Nous le marquerons sur le museau. Bien, le nez, le museau, ça veut dire c'est l'éléphant qui a le museau. Al khotom, la colonie, l'elfine. Wa min hada min bayn al-tahakkum. Wa al-wasm fi al-anf hada dalil ala al-ihtiqar li'annahu al-insan azz ma yani yamlikuhu khassatan idha kana wasiman huwa wajhuhu. Personne, la plupart de nous, c'est son visage, surtout s'il est beau, il donne beaucoup plus d'importance à cela. Et si jamais il a une marque dans le visage, il ne peut pas la cacher. S'il a une marque dans le visage, et surtout en particulier sur le nez, il ne peut jamais la cacher. C'est quelque chose que tout le monde voit. Et pour lui, c'est un rabaissement, c'est ce sont une faiblesse, et c'est pourquoi? Parce qu'il a une marque qui va le montrer d'une façon un petit peu méprisable devant les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à celui-là, « Sanasimuhu fil khurtum »« Qila inna al-maqsoud biha, sanasimuhu fil khurtum yawm al-qiyamah » Le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le mettre une marque sur le nez où il sera connu le jour dernier par rapport à sa mécréance et comme signe du jour de l'enfer wa la yad billah. Ba'dhum qal hiya kadhalika hatta yawm fi ad-dunya li'annahu lamma sharaka fi badr quti'a anfuhu. Walid ibn Mughira kutilité parmi ceux qui ont venu pour éliminer l'islam dans la bataille de Badr, il a été parmi ceux qui ont été tués dans cette bataille et ils ont trouvé que son nez a été coupé. Alors ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ce genre de réaction. Thumma kama dhakarna anna al-Qur'an da'iman yadrib al-matal ليتضح المقال. Alors, إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. Alors, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, quand il veut montrer, donner un parabole, il donne un parabole sur ou avec quelque chose commun, que les Bédouins
que les Mécois surtout ils connaissent. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner un parabole, un exemple qui s'est passé auparavant que les Mécois ils connaissent. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم الآيات. Alors aussi Allah subhanahu wa ta'ala il va donner un exemple en disant nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger, c'est-à-dire du jardin, qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. هذا يسمونه في التفسير بأصحاب الجنة. أصحاب الجنة إذا وهذا مهم أن نشير إليه. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الجنة ينبغي التنبيه. ليس المقصود بالجنة في القرآن الكريم دائما يعني الجنة يعني الجنة التي سندخل إليها إن شاء الله في أم الآخرة. الجنة المقصود بها هي كل مكان فيه زرع وفيه خضرة وفيه يعني ماء وفيه يعني انفرم انفرم يسابل الجنة. ici le sujet أصحاب الجنة c'est les gens à qui Dieu سبحانه وتعالى a donné une ferme où la récolte est toujours énorme chaque année. Chaque année ils ont toujours une récolte énorme. Surtout أصحاب الجنة هذو كانوا في اليمن وكان قريش يعرفون بهم وهم كانوا من أهل الكتاب ويعني اليمن ومكة يعني قريبة ليس هناك فكانوا يعرفون هؤلاء أصحاب الجنة هم كانوا كان أبوهم صالحا وكان يعطي لهذه في هذه الجنة في هذه يعني الزرع الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يعطي فيها دائما قسط للفقراء قبل أن يدخل الحصاد إلى بيته يعطي للفقراء حقهم ثم يدخر لأهل بيته ثم يرجع الباقي في الأرض ليعيد زرعه فكانت دائما جنة مثمرة يعني الفيرم يعني فلما جاء أولاده لما مات هو قال أولاده إن أبانا كان يعني أحمقا وكان يعني ينفق الغلة على الفقراء ولو حبسنا عليهم لكثرت غلتنا يعني انا نحن vous pouvez régler un petit peu parce que je sens que c'est un petit peu très fort c'est quelqu'un qui peut ici j'ai peur c'est bon vous entendez خير إن شاء الله بس كلها موجود سمعتي ب سيبون كل موند أنتم بارك الله فيكم بيان ال 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 propriétaires de ce jardin de ce paradis si vous voulez le paradis d'ailleurs quand on lit le Coran on trouve toujours le terme paradis et le paradis c'est pas automatiquement le paradis de l'au-delà le paradis c'est une ferme où il y a de la verdure, où il y a de l'eau, il y a de la récolte, où il y a tout ça, il s'appelle le paradis, comment dirais-je, parce que c'est ce qu'il y a au paradis. Ce qu'il y a au paradis, c'est la verdure, c'est l'ombre, c'est de l'eau, c'est des ruisseaux, c'est de la récolte jamais épuisée. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va donner un parabole à ces Mécois qui ne veulent pas embrasser l'islam, qui plutôt même fait en sorte, fait en sorte de contredire la religion même de faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il les a éprouvés comme il a éprouvé les gens du comment dirais-je à qui il a donné ce verger. Et ces gens-là, leur histoire, c'était les gens au Yémen. C'est une des gens à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné une richesse. Et cette richesse, c'était ce verger. Et leur père, c'était parmi les gens de Libre. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce récit? Parce que, ce parabole, parce que les gens de Yémen, il y a une grande relation entre la Mecque et Yémen à cette époque-là. Les gens dans le commerce, dans la récolte, tout cela, ils connaissent cette histoire. Parce que Dieu ne va pas donner un parabole qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils connaissent cette histoire de ces gens-là et comment ils se sont finis. Leur père, c'était parmi les gens de Libre. Leur père, il était quelqu'un de pieux. Ça, c'est avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est quelqu'un qui donne toujours, comment dirais-je, une partie de sa récolte aux pauvres. Et après son décès, ses enfants, ils ont dit, notre père, il était malin. Il dépensait comme ça, il donne aux gens, il donne aux pauvres. Si on a gardé la partie que notre père donna aux pauvres, à ce moment-là, notre richesse sera beaucoup plus importante et augmentée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont mis d'accord que le jour de la récolte, ils vont y aller le lendemain tôt. Ils ont même juré de récolter sans que les pauvres, comment dirais-je, les embêtent. Ça veut dire qu'ils vont y aller tout le matin et récolter la récolte et la vendre avant que les pauvres viennent la journée pour, comme d'habitude, récupérer ce que le propriétaire, le premier, leur papa leur donne. Alors, c'est ça leur intention. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va faire autrement. ولا يستثمر قال بعض العلماء ان المقصود بها من غير ان يقولوا ان شاء الله ان اغدو على حرتكم ان كنتم صارمين ça veut dire il faut y aller tout mais ils ont pas dit inshallah وقيل ولا يستثمر ça veut dire sans comment dirais-je mettre de côté la part des pauvres. Alors qu'est-ce qui va se passer? طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف عليها طائف من ربك والطواف تعرفون شنو الطواف؟ الطواف على الطواف هو الدوران حول الشيء la circumambulation comme de dire autour de la Mecque. On fait pourquoi on fait quand on tourne autour de quelque chose pour une raison. Et on dit aussi طاف عليه البلاء او شيء من هذا القبيل, ça veut dire quelque chose à cercler. Ça veut dire un mal a cerclé quelque chose, ça veut dire il a rasé. Quand on a cerclé quelque chose, ça veut dire on a rasé. Alors, Taïf al-Mirabi, calamité de Corona, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. Alors, eux, ils ont eu une intention avant de dormir. Au moment où ils dormaient, Allah subhanahu wa ta'ala envoya ces soldats invisibles qui vont rendre ce verger, ce paradis à plat, comme on dirait, plus rien. Ça veut dire, ils ont rasé les. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut parler, c'est quoi? Est-ce que c'est une tempête? Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est des anges qui ont rasé avant qu'ils s'arrêtent? L'essentiel, quand ils se réveillent le matin, qu'est-ce qui va se passer? فأصبحت كالصريم déjà, et le matin suffit comme si tout avait été rasé. Comme je dis, ils ont tout rasé. فتنادوا مصبحين, le matin quand ils se sont réveillés, le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns et les autres. أن اغدوا على حرتكم إن كنتم صارمين, partez tout à votre champ si vous voulez le récolter. فانطلقوهم يتخافتون, ils sont partis en secret, cachette. Le bon matin. Allah yadkhul annaha al-yawma alaykum miskin. Ne laissez aucun pauvre y rentrer aujourd'hui. Ça veut dire la récolte et tout de suite. Wa ghadaw ala hard al-qadirin. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice, bien évidemment. Hadirin, ça veut dire ils ont été très vigilants et très avares et ghadaw wal-iyadu billah. Falamma ra'awha qalu inna ladallu. Voilà la surprise. Quand ils ont vu leur jardin, ils ont dit, non, c'est pas à nous, on s'est trompé. On s'est trompé de la porte. Ils sont rentrés dans la ferme, ils ont trouvé, c'est pas ce qu'ils ont laissé hier. La verdure, les roseaux, la récolte, les raisins, le palmier. Mais ils ont dit, non, ça c'est pas notre jardin. Hein, allons-y, on va chercher le jardin, on s'est trompé parce que il faisait noir, c'était le ténèbre quand ils ont rentré. Et quand ils ont vu ça a été rasé, mais quand ils l'ont verront le jardin, ils disaient, vraiment, nous avons perdu notre chemin. Ils ont découvert que c'est leur verger, leur jardin. Mais dans l'aul, on était égarés par rapport à notre intention.
C'est pas on s'est trompé du chemin, mais on s'est trompé du vrai chemin spirituel. Quand on avait l'intention de ne pas donner aux pauvres, ça c'est l'égarement. لذلك قال بعضهم بل نحن محرومون أو بلوتو نو سوم فرستري. وهنا الله سبحانه وتعالى سبب لأنه دائما هي توجور أن بارميديس كي قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وأوسطهم هنا قال أعدلهم أتقاهم. قال أوسطهم ça veut dire le plus juste entre eux, il leur a dit, ne vous avais-je pas dit, si seulement vous avez rendu gloire à Dieu, ça veut dire, il les a déjà conseillés. Mais comme dit, quand un parmi les dix, lui aussi va être traité comme lui il est comme notre père, lui aussi Mahmoud comme notre père. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné alors cet exemple pour faire attention que l'insan min tab'i les défauts de l'être inna l'insana la yatra an ra'ahu istaghna. Quand l'être humain se voit il a la richesse, il a le pouvoir, il commet l'excès et transgresse. Inna l'insana la yatra أن رآه استغنى. وهذا ما سيكون حديثنا في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله والحمد لله رب العالمين.